À l'origine de « Nous étions nés pour être heureux », il y a le retour de mes frères et sœurs. Il y a 30 ans, mes frères et sœurs m'avaient interdit de publier « Priez pour nous », qui est un roman autobiographique, et ils m'avaient dit « Si tu publies « Priez pour nous », on ne te reverra plus jamais, et on ne reverra pas tes enfants, jamais ». Et j'ai pris la décision de publier ce livre. Je ne le regrette pas, mais je l'ai payé cher, c'est-à-dire que pendant 30 ans, mes enfants n'ont jamais connu leurs oncles et tantes. Ça a été 30 années difficiles quand même, difficiles, sans aucune famille, etc., dans un grand silence. Et soudain, ils ont décidé de revenir, simplement parce qu'on vieillissait. Je trouvais que c'était un argument tendre. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé mes frères et sœurs, donc j'étais très heureux de les revoir. Et c'est là qu'est né le projet du livre. Je me suis dit, en fait, ça fait longtemps que je rêve de réunir pour une journée autour d'une table tous les gens que j'ai aimés dans ma vie. Alors le livre, ça va être ça. Ça va être tous mes frères et sœurs, ça va être toutes les femmes que j'ai aimées, dont je suis séparé aujourd'hui, ça va être mes enfants, ça va être mes petits-enfants. Je vais faire tenir tout le monde autour d'une table toute une après-midi. Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va se dire? Je voulais que dans un livre, dans une unité de temps et dans une unité de lieu, tout puisse être dit en une seule journée. Je voudrais beaucoup, que ce livre qui est assez court, qui n'a pas de chapitre, qui est censé être lu donc presque dans la même unité de temps que le déroulé du livre, on peut le lire en une journée, hein, parvienne à rassembler la vingtaine de romans que j'ai écrits avant, c'est-à-dire que tout soit compris dedans.